sur ma chaîne pour un événement spécial puisque monsieur a accepté, vous l'entendez bien, que je lui coupe les cheveux. Donc je vais faire aujourd'hui ce que toutes les coiffeuses et coiffeurs n'autorisent pas à faire pendant le confinement. Mais bon, je crois qu'il en a tellement marre d'avoir les cheveux longs qu'il s'est décidé. Moi je me dis que ça allait bien m'amuser d'essayer. Je ne suis pas coiffeuse, ce n'est absolument pas à reproduire chez vous. En tout cas, c'est pas un gros risque. Les cheveux, ça repousse, c'est ce que je me dis. Mais bon, je vais essayer quand même. Donc là, il est en plein stress. Donc je vais essayer quand même de faire mon mieux. Donc à la caméra, en fait, j'ai l'air hyper blanche. Mais je pense que c'est encore pire parce que lui est tout bronzé. Mais non, mais j'ai pris un peu de couleur hein, quand même. Tu vas te mouiller les cheveux? Yes. Donc pendant qu'il est parti se laver les cheveux, n'hésitez pas à me suivre en dehors de YouTube sur mon compte Instagram mbeautymakeuppro, à vous abonner, à laisser plein de commentaires, n'hésitez pas à mettre j'aime également pour me soutenir. Donc c'est une petite vidéo bonus, je me suis dit que ça serait amusant en fait de vous filmer ça sur la chaîne. Vas-y. Non mais j'y vais doucement en fait. J'ai pas peur. Mais c'est pas qu'à pas peur mais non. Non mais ça fait pas mal quoi déjà. Ça marche pas très bien en fait. Enlève ton oreille. Alors là, on a Godefroy de Montmirail, c'est magnifique. La coupe au bol. Tu as peur, chérie? Oui, je suis de plus en plus inquiet. Abuse pas. Déjà, ça te fait du bien là, sous les oreilles. On peut toujours couper. Regarde ce que je fais. Comme ça, tu vois? Ouais, mais en fait, ça tire les cheveux. Ouais, mais au ça moins, c'est parfait, tu vois, regarde. Hop, ça fait un espèce de dégradé comme il l'a. Mais vas-y doucement là, oh là là, tu mets des grands coups de ciseaux. Mais non, je te jure que ça va. Justement, c'est ça, faut pas faire un truc droit. Hein. Avec les ciseaux, mon cœur. Non, là c'est bon, j'arrive à. Je te jure, j'arrive à dégrader avec les ciseaux. Impeccable. Mais pourquoi tu fais des gestes comme ça là? Pourquoi tu fais ça comme ça partout dans tous les sens? Je te jure que c'est propre. Depuis tout à l'heure, en fait, j'ai tout coupé à la tondeuse, donc en 3 mm. Au début, et après j'ai progressivement fait un peu au 6 mm pour que ça fasse pas trop d'écart. J'ai continué au ciseau avec le peigne pour pas que ça fasse trop de démarcation. Donc là ça fait totalement la démarcation, ce que je n'ai pas fait. Mais de l'autre côté là au moins c'est assez propre, donc je suis contente pour le moment. Et donc là il a une petite plantation d'ouragan ici. Donc à ce niveau là, faut pas que je touche trop à sa masse ici puisque il veut les garder longs. Et puis je suis pas coiffeuse encore une fois. Donc je vais essayer d'y aller progressivement, en tout cas pour que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de catastrophe capillaire. T'avais oublié que t'étais à 3 là. On a failli passer au drame. Mais ça va, j'y vais doucement, ça peut pas être dramatique. Ouais, bah regarde s'il n'y a pas de démarcation. Un petit peu. T'as fait des trous. Un tout petit peu là. C'est sûr, t'étais à 3. Oui, bon bah un tout petit peu là. Là. Non, mais c'est très léger. Je veux dire, tu vois dans le miroir si ça va? C'est toujours stressant parce que du coup comme il se voit là, je sais jamais trop si ça va lui convenir. C'est toujours stressant malgré le fait que ce soit peu des cheveux, parce que vu que c'est quand même pas ma tête. Mais en tout cas c'est assez drôle en même temps de le faire. Au pire c'est raté, on rasera à blanc, mais il a dit que c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et le côté que t'as fait du dernier, en fait, c'est le moins... Le moins bien. Bah ouais. Mais ça, c'est parce que tu m'as énervé.
Bah oui, mais tu m'as énervée. Après, tu m'as dit oui, mais vaudrait mieux prendre ton peigne comme ça et tout. Non, franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est trop propre ici. Je sais pas si vous allez voir. C'est super propre. Bon, là, c'est pas moi. Hein. C'est des cicatrices qu'il avait avant. Non, franchement, c'est super propre. Je peux un petit peu nettoyer ici aussi. Quel mannequin. Voilà. Bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Peut-être un peu là, tu vois. La pousse. Un petit peu là, tu vois, ça pourrait être mieux. Pour être mieux ? Ouais. Ouais, mais c'est jamais facile. Mais c'est jamais facile. Mais franchement, mis à part, à un moment donné, je me suis trompée de sabot. J'ai failli faire un gros trou. Donc ça se voit légèrement. Mais c'est pas... Donc c'est pas les deux petits trous là, c'est de l'autre côté. Je pense que ça se voyait tout à l'heure à la caméra. Mais franchement, pour une première, qu'en pensez-vous, monsieur ? C'est bien, c'est pas mal. Bon, monsieur. Bon, ça t'aura dépanné au moins, chérie, en attendant la coiffeuse. Nickel. Hein ? On peut poursuivre le confinement. Non, en plus, on aura bien rigolé quand même. On se sera bien énervé aussi. C'est normal. Bon, j'espère que ça vous aura plu de partager ça avec nous. Honnêtement, c'était vraiment marrant. C'était pas dans le but de vous apprendre quelque chose puisque je ne suis pas coiffeuse, encore une fois, je le redis. Et donc pas la peine de venir sous les commentaires en disant mon dieu c'est pas comme ça qu'il faut faire, je ne sais pas faire, donc vraiment j'ai fait... Mais le résultat est là. J'ai fait à l'instant, je suis autodidacte comme personne. Non. Ouais. Donc voilà, on sait pas parfait, mais bon ça va lui suffire hein, en attendant. N'hésitez pas à vous abonner, donc comme je vous disais au début de la vidéo, à partager et puis à mettre j'aime pour me soutenir. Vous pouvez me rejoindre également sur mon compte Instagram MBeauty Makeup Pro. Tout est là et en barre d'infos. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Mouah, bye. Salut. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.